Le thème de notre vidéo sera en relation avec les sociétés humaines. Nous allons aborder deux sociétés du monde antique. Athènes, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et Rome, au 1er, 3e siècle après Jésus-Christ. À Athènes, les pouvoirs sont partagés politiquement entre tous les citoyens. L'Ecclésia, assemblée du peuple, qui vote les lois et décide de la guerre et de la paix. Les magistrats commandent l'armée, s'occupent des affaires étrangères et font appliquer les lois. L'ailier rend la justice. La boulée conseille l'Ecclésia et contrôle les magistrats. À Rome, tous les pouvoirs sont concentrés en un seul homme, c'est l'empereur. Les jeunes citoyens athéniens doivent faire ce qu'on appelle l'éphébie, c'est-à-dire l'apprentissage de l'armée. Les Romains doivent servir dans l'armée romaine. À Athènes comme à Rome, la religion est très importante. Les Athéniens doivent participer aux fêtes religieuses organisées et les Romains doivent faire le culte impérial.